Salut, salut! C'est Yaki Pan pour Rivasan Studio, tout ça, tout ça. Et donc ce soir, on se retrouve avec Hollow Knight, avec la mise à jour qui est arrivée il y a quoi? Même pas une heure? Donc c'est tout frais, hein. Donc on reprend la partie finie à 99%, évidemment, tout ça. Et on ne sait pas du tout où il faut aller, donc ça va être vraiment plaisant. Ah oui, j'étais mort. Ah non! Alors, en off, je vous explique. J'ai fait une quête. Une quête ultra chiante. Où il fallait aller, donc. Où sont les boutons? Où il fallait aller d'ici, là où je suis, à... Ah, comment on fait pour zoomer? Bon, à peu près au milieu de mon curseur, là, au-dessus du banc, il fallait y aller à pied, sans se faire toucher. Voilà, je me suis beaucoup amusé, je préfère vous le dire. C'était très très intense. J'ai adoré. Donc on se retrouve avec un nouveau DLC, sauf que ben... Je sais pas du tout où il faut qu'on aille en fait. Il paraît qu'il y a des nouveaux boss, des nouveaux PNJ. Mais je sais pas comment on peut... Je sais pas. Donc je pense qu'on va aller au village. On va aller se faire plaisir au village, on va voir si on croise un nouveau PNJ ou pas. Ah putain, je sais que j'aimais pas cette map. Putain, c'est par où? Ok. Ah oui, j'avais ce vieux truc nul là. C'est vrai que j'avais complètement changé mes charmes parce que ben il me fallait survivre. Donc dites bonjour à mes petites mouches, elles sont belles. Elles ont envie de dégager surtout. Ouais, ils ont fait mouche, bzz, bzz. Bon allez. Petit changement qui s'impose. Ah! Donc oui, on a les 4 nouveaux badges qui sont à débloquer. Sinon, j'ai tout débloqué depuis. Hein. Alors ça oui, ça oui. Ça oui, ça non. Ça oui, ça oui. Non. Non, non, pas de surcharge. Ouais, on va prendre ça. Merci bien. S'il faut, la nouvelle zone sera... C'est quoi ces mouches? C'est un badge que j'ai utilisé. T'avais qu'à être là, genre 5 minutes avant, j'avais expliqué. C'est vrai, en plus, je l'ai expliqué il y a genre 5 minutes. En fait, il y avait une quête à faire dans le jeu qui était juste ultra, méga, méga chiante. Et j'utilisais ces mouches pour ne pas être touché, en fait. Il fallait que j'aille d'un point A à un point B. Sans me faire toucher, sans utiliser de TP ni rien. Et les mouches me servaient en fait à taper les ennemis de loin. Bon, est-ce qu'il y a un nouveau PNJ quelque part, non? Non mais sans déconner, si je passe déjà une heure à chercher où il faut aller... Non, tais-toi. Ok. Ah oui, j'ai presque fini le jeu à 100% en fait. Oh cool, ben voilà. Ouais, un nouveau. Alors, c'est pour courir plus vite. Bon, ça. Bon, mais déjà on a un nouveau badge sur 4. Super. On va le mettre.
On va enlever les épines, on va mettre ça pour voir. Alors on dirait pas, mais en fait les badges se sont rajoutés genre là sur le côté. Comme ça, il y en a 4 et... Et puis bon, il nous en manque 3 maintenant, bref. Ah putain, bonsoir. Il y a la grosse madame, oui. Parce que j'ai tous les badges du jeu, donc elle m'a donné sa bénédiction. C'est en fait, dès que je m'assois à un banc, elle me régène vie et... Et mana. Bah, nada. Bah, nada. Bon, toujours pas. Mais je sais pas du tout où aller en vrai. Ah, cool, on court. Bon, vu que c'est Halloween, est-ce qu'on ne devrait pas aller voir lui? Peut-être que c'est lui qui va tout débloquer. Blili! Bon, c'est pas lui. Je vais passer 8 ans à chercher là où il faut que j'aille. Ah, c'est vrai qu'on peut utiliser ça. J'essaie de me remettre le jeu entre les mains. Pourquoi on marche plus? Ah, là on marche. Je sais pas du tout où aller. On va aller dans un métro, je pense. On va faire ça. Ouais, on va aller là. Parce qu'apparemment, sur le page de mise à jour, il y avait des trucs concernant les métros. Donc on va voir. La tanière au coléoptère. On l'a faite. C'est quoi? C'est la station cachée, non? Ouais, je crois que c'était ça. Ouais, c'est peut-être là-bas. Non, là, il y avait juste le banc. Hop, sauvegarde. Je sais pas du tout où il faut que j'aille. Non mais sans déconner quoi. Comment tu veux que je devine où il faut que j'aille? En prendre un métro, on va voir. Déjà. C'est par où? Au-dessus. Merde. Ah. J'entends Bison Futé qui est en train de taper. Il a peut-être déjà trouvé où il faut qu'on aille. Le métro! Light the Nightmare Lantern and take part of the Sinistral Ritual. D'accord, Light the Nightmare Lantern. Ouais, la lanterne du cauchemar, où c'est qu'elle est? Au boss final? Fight terrifying new foes and gain powerful new friend. Super! Bon, bah ça nous avance pas forcément. Light the lumière lanterne. Putain, je sais pas du tout. Donc en fait... Est-ce qu'il n'y a pas un chemin qui se dessine sur la map? Genre ça, c'est le métro cassé là-haut. C'est écrit d'ailleurs, tramway délabré. Chez les Mantes, y'a rien. Dans les voies royales, y'a rien. Là, y'a rien. Y'a rien qui dépasse. Non. Y'a peut-être en haut, mais... Genre la couronne d'Alonès, ça m'étonnerait.
Peut-être ici, aux falaises hurlantes, j'en sais rien. Super! En fait, on ne pourra pas deviner tant qu'il n'y a pas le patch. Bon, ok. On va repartir dans un métro. Ça va être vraiment le stream de l'ennui où on va devoir chercher, quoi. On va essayer de redescendre dans ce cas-là. On va essayer d'aller au. Attends, sur le mont Cristal, j'ai cru voir écrit Halloween. Ah, ça m'intéresse par contre. Alors. Couronne d'Alonest, pas Halloween. Dommage. Close enough. Bien tenté. Attends, light up, la lumière, on l'avait là aussi. Est-ce que... Ouais, non, lui, on s'en fout. Je pense que revenir dans ses... Attends! Light up. J'ai deux idées en fait d'endroit. Et je crois que le premier est pas loin. Ouais, on va aller... Ouais. J'ai deux idées d'endroit. Attendez, on va mettre le TP ici. Parce que j'ai pas envie de m'emmerder. J'ai deux idées. C'est soit aller vers le boss de fin pour voir, bah, vu que c'était lui le cauchemar. Enfin, je l'interprète comme ça. Soit c'était lui le cauchemar, soit la lumière a allumé, c'était peut-être le phare qu'il y avait en bas. Je sais pas. Savoir. Faire des tests. Comme disait GLaDOS, faut faire des tests. La première fois que je descends aussi vite ici, putain. On va aller voir. Ouais, le phare, ouais. J'y vais, j'y vais. Pourquoi il n'y a plus les flaques? Pourquoi il n'y a plus les monstres de... des marées? Est-ce que c'était ça? Le bon col? Que c'est ici? Et qu'il n'y a plus les machines? C'est bizarre. Il y avait toujours eu des monstres ici, non? Si j'ai pas de conneries. Ok. Non, non, il est activé. Il est activé, il n'y a rien d'autre. On va aller au bout, voir s'il n'y a pas un... Genre vers là-bas. Non, y a rien. Ici, y a rien. Ici, y avait pas un chemin caché ou je sais pas quoi, quelque part. Si, mais on le voit plus sur la map. Genre, je sais qu'au-dessus de nous, quelque part, il y avait un chemin. C'était là? Je sais pas. Ouais. Genre là. Genre je sais qu'il y avait un truc là, mais je sais plus ce que c'est. T, pardon. Ah là! Merde. Ça aurait pu être la porte. Dommage. Putain, on a de bonnes idées, je trouve, mais enfin... C'est pas là.
Non, là, y'a rien, là, y'a rien. Et tout au bout, il y avait un pouvoir, mais bon, pff, on sait jamais s'il faut y a un truc à faire derrière, j'en sais rien. Non. Non, je peux toujours pas passer derrière. On va aller fouiller au fin fond des abysses. Et c'est bizarre, il y a plus les monstres tentacules. C'est ça qui me dérange. C'est est-ce qu'on les a supprimés pour de bon? Est-ce que... C'est bizarre. Ta lanterne les effraie pas. Non, 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 ça a jamais fonctionné comme ça. Lanterne, pas lanterne, il me pétait la gueule. Souviens-toi. La lanterne, on l'a acheté, je dirais, assez tôt dans le jeu. Et ici, on y arrive assez tard. Et on en a fait des allers-retours ici et ils ont disparu, en fait. Et là, il n'y avait pas un truc, là, en bas? Si. Ah non, là, ça m'étonnerait que... Ça m'étonnerait que ça soit ici, en vrai. Ouais, ça m'étonnerait énorme... Merde. King's Pass. Bah, j'y suis à la passe du roi, non? King's Pass. Ah putain, c'est là-bas. Mais c'était à côté de la ville. Ah. Il y a un mur caché à casser. Sans déconner, si même les DLC, ils les cachent, enfin... C'est mignon, hein, y a pas de souci, je comprends le principe, mais c'est chiant. Genre, bon, c'est mignon, mais... j'ai envie d'aller voir la vieille aussi. Attends, enfin la vieille au charme. Genre la grosse dame, si vous préférez. S'il faut, c'est elle qui a les derniers charmes. Alors... Elle est à Dirtmout. Enfin, à dire tout le monde, elle est loin, mais... Genre, elle est en bas, mais... On peut y aller à pied? Ouais. Je sais plus si je peux y aller à pied ou pas, on va voir. Ok, super. Ok, super. Ah putain, mais c'est bon, on peut soigner dans le jeu. S'il faut, en fait, le premier dialogue qu'on a eu avec le vieux, c'était ça, le... C'était ça, la solution, et j'ai pas lu, en fait. Faudrait peut-être que j'y retourne. Putain. On va aller voir la vieille au badge, après on va voir. Enfin, la vieille... C'est pas très gentil, c'est pas gentil pour elle. Est-ce que c'est là? Non, faut qu'on descende encore plus bas, mais je crois qu'on peut plus. Et que je fasse un détour. Si. Ah bah si, je peux. Je peux me décaler là et revenir ici. Donc on est bien, on est sur le bon chemin. Pas du tout. C'est encore un peu plus en dessous. Là, là, là. Foutez-moi la paix. Ah, j'avais oublié qu'on était nuls à ce jeu, putain. Ah, sur la gauche de Johnny Repos. Qu'est-ce que c'est, ça, Johnny Repos? C'est peut-être un truc qu'on n'a pas vu encore. Attends, on est où, là? On est au métro, donc on n'est pas loin. Ouais, voilà, elle est juste en dessous. On va soigner aussi. Sur la gauche de Johnny Repos. Bah, je vais voir ça après. Je vais aller voir la madame pour voir si elle nous file un badge ou pas.
Même si c'est un badge nul, on s'en fout, quoi. Jaunis, si tu l'as fait. Ah, bon. Bon, on ira voir. Salut, madame. Marib. Non, elle me donne rien. Super. Elle était liée au papillon bleu. Ah oui, ça me dit quelque chose, maintenant. Bon, allez, on va attendre qu'elle fasse... Voilà, remplis-moi mon mana, plus vite que ça. Merci, au revoir. Bon, bah, on va remonter. J'ai pas mis de TP à... J'ai pas mis de TP à l'honnest. Tant pis, on va remonter. On va essayer de faire le chemin en inverse, sans se casser la gueule. Merde! La 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 la, dégage. Putain, je voulais t'esquiver, salaud. On est où là? Ah, j'ai plus les touches, hein. Faut remonter par là-bas. Salut, salut, au revoir. Merde. Alors, on va voir. Récupérer la vie, voilà. Toi, alors, où va donc ce ascenseur bruyant? Blablabla. Oui. Oui. D'accord, donc il parle du mont cristal, génial. Bon, bah on va quand même à la passe du roi, on va voir. Comment on monte? Oh putain. Alors, un mur à casser à gauche de Johnny. Ou à droite, on s'en fout. Alors, pierre tombale de Johnny. Ah ouais. Bon, bon, on va voir. On va forcément trouver un mur à casser quelque part. Ouais, j'ai plus les... Ok, bon. Attends, où c'est qu'on va, là? Ah, faut peut-être descendre. Attends, là-haut, c'était le machin, donc oui, on va descendre. Pas trop le choix, de toute façon. On est déjà en bas, ok. Attends, mais est-ce que... Ah, là, il y avait un coffre. Là? Non. On va essayer de remonter. C'est quoi ça? Ah, mais là, je peux pas monter. Attends, si, je peux. S'il faut, le mur, on l'a passé. J'en sais rien. Sur la gauche de Johnny. Ah, merde.
Ouais, enfin, faut qu'on continue à monter en vrai. Merde, je suis tombé. C'est là? Ah non, c'était le truc devant. Putain, je me souviens plus du tout de cette map. Je sais qu'on avait passé beaucoup de temps sur un boss nul. À moins que ce soit pas celui-là. C'est ici, Johnny? Non, là, il y a un banc. Et là, il y avait une madame qui m'enseignait un truc. Ouais. Voilà. Ok. Merde. De toute façon, j'ai tout fait. J'ai toutes mes améliorations de pouvoir et tout le bordel. Hein. Tous mes quarts de cœur. Toutes mes perles. Ah! Alors. Donc là-haut, il y avait un... le métro et à gauche de Johnny. Bon. Doubidou, benina, dida, didou, dada, douda, douda, casse-toi. C'est un caillou zizi, c'est un urolite, quoi. Ah, tombé. Ah là 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 là, à gauche, à gauche. Encore à gauche. Est-ce qu'il y a un truc là? Non plus. Johnny, elle était là. Sauf que là, je vais à droite de Johnny. Donc si je vais à gauche, il faut que je revienne sur mes pas. L'ennui de trouver ce dont on a besoin. C'est quoi ça? Non. Non. C'est quoi ça? Être supérieur, bla bla bla. Non. Ah, un mur! C'est là? On n'est jamais à Mela, donc j'imagine que oui. C'est quoi? Attends, il y a trop de choses. Il y a un truc là. Non? Tu auras un PNJ, frappe-le avec l'épée des âmes. Oh super, un vieux sac! La dépouille d'une grosse bestiole! Eh! Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça a fait des trucs comme si on avait des âmes mais rouges. Holy shit! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi ça a changé? Il n'y avait pas ça là tout à l'heure. Ok. C'est ça la lanterne qu'il fallait allumer, enculé. Bah, oh, bah, je pense, oui. Et ça fait quoi? Oh putain, la musique. J'aime pas l'accordéon. Donc là, on retourne à Dirtmouth. Et bonne chance. Ah, d'accord. Bon. Soit. J'aime bien quand tu me dis des choses comme ça. J'aurais dû mettre mon TPA à dire tout le monde comme j'aurais dû le faire. Et non, toujours pas. Donc on remonte tout et on se casse à dire tout. Mais attends, mais comment t'étais censé le savoir ça en fait? Sans déconner, sans refaire tout le jeu et sans fouiller tous les murs. Bon, à moins que le vieux disait vraiment que c'était à la place du roi et je l'ai pas écouté. Faudra que je me remate le replay en. En vitesse pas rapide. Je fais n'importe quoi.
En fait, on l'aurait su si on avait attendu le patch d'icône de map, je sais pas trop quoi. Ouais, mais on est impatient. Et puis on n'a pas que ça à faire. Il aurait fallu que je trouve un autre indé. Et j'avais pas envie. T'aurais fait un indé qui s'appelle Never Alone, qui a l'air nul, et puis c'est tout. C'est pas parce que dessus tient un renard que le jeu est forcément bien. Dit bon courage, c'est qu'il y a déjà un boss, un truc du genre. D'ailleurs, j'ai trouvé un autre indé sympa à faire avec un renard encore. C'est pas celui qui ressemble à Zelda, parce que celui-là, je vais me l'acheter en fait. Parce qu'il a l'air vraiment très bien. Et je sais plus comment il s'appelle. Tunique, c'est ça? Non, non, The First Trail. Quoi? Oh merde! Non, la musique nulle. Attends, mais ça ressemble au monstre que la fille voulait me manger. Bonjour. Elle s'appelle Divine. Nous avez-vous appelé? Vous nous avez appelé? Nous sommes venus. Nous sommes venus! Vous n'avez pas l'air effrayé. Pourquoi nous avez-vous appelé? Parce que. Ah, cela n'a pas d'importance. Ne me dites rien, nous sommes venus. Et je peux sentir quelque chose de profond au-dessus de nous. Je le veux, je le veux. Je pense que les ombres et le feu danseront ensemble si joliment. Ça là, ça voulait me manger, je crois, non? Les routes sont sombres et longues, mais la lumière du maître nous guidera toujours. Quel maître? Oh, il y a le vieux! Attends quoi? Une nouvelle terre différente de la dernière, combien d'autres verrons-nous? Le vieux, qu'est-ce qu'il veut? Ah, regardez quelque chose d'étrange, c'est apparu soudainement. Cela me fait peur. Je pense que je ferais mieux de l'ignorer. Si tu veux. Jorgenois, salut. Tu vois Jack deux fois. Bonsoir, Jorgen de la Wera of Sarkinia. What the fuck? On dira ok pour faire plaisir. Ah, on voit bien la pierre tombale maintenant. Et eux, ils sont. Ils s'en foutent. Ici Jake, mais c'est pas moi qui stream. Bon. Bah, faites-vous plaisir dans le chat. On va se régénérer en mana avant de se lancer dans ce truc. Parce que. Ça risque d'être le bordel. Go! Attends, et là? Tu veux pas me revendre quelque chose? S'il te plaît. Je vais me faire casser le cul, j'ai pas envie. Fais-moi de la vaseline, un truc. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Une nouvelle terre. Ah, mais on l'a vu. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, de l'accordéon! C'est le pire instrument du monde. Bonjour? Babala, Geno. Non, je t'ai pas appelé. Parlez au maître. Tu veux pas arrêter? Quand la flamme brûle dans l'esprit, notre espèce entend son appel au-delà des frontières du temps. Arrête de jouer cette merde! Ça sent mauvais. Ça sent l'arène. Oh non. Qu'est-ce que... Bonjour! Salut! Alors c'est vous qui nous avez appelés, mais non. C'est Grim! Quelle heureuse rencontre, mon ami. Une très bonne surprise. Je suis Grim, maître de cette troupe. La lanterne est allumée. À votre appel,
Et votre appel a bien été entendu. Une scène parfaite que vous avez choisie. Ce royaume envahi par les vers et les racines. Une terre parfaite sur laquelle notre rituel aura lieu. Et vous, mon ami, votre rôle est loin d'être terminé. Notre pacte s'écrivit en feu rouge. Le jour où la lanterne s'est illuminée et nous a dévoilé le rôle que vous aurez à jouer. Oh, encore des trucs qu'on va pas connaître. Oh. C'est Holo Amélie Poulain, en fait. Oh là là. Oui, il y a plein de fautes d'orthographe dans les. Oui, on est d'accord. Nous sommes désireux de vous voir commencer, mais d'abord un peu d'éclairage et d'essayer. Ouais, l'héritier de Grimm, j'ai un nouveau badge. Plus que deux. À travers ces terres, mon espèce se répand, récoltant cette essence propre à ma race, la flamme des rêves. Cherchez ceux de ma race, réclamez leur flamme et rapportez-la à moi. Ensemble, nous ferons des merveilles. Me dis pas qu'il faut que je me retape tout le jeu. Mais ne vous inquiétez pas, pour cette tâche, vous ne voyagerez pas seul. Mon enfant vous guidera vers la flamme et rassemblera en son être cette essence brûlante. Comme vous, l'enfant joue un rôle clé dans cette tâche. Seulement avec mon enfant à vos côtés, la flamme et ceux de ma race se révéleront à vous. Ouf! Et il s'est barré. Mais! On peut pas aller là. Va falloir refaire tous les boss du jeu ou. C'est toi l'enfant? La flamme trouvée là. Ouais. On va essayer. Mais je veux pas mourir! Je veux pas me faire casser la gueule. Bon, alors déjà, on va mettre le nouveau badge. Parce que bon. Alors! Qu'est-ce que c'est que ça? L'héritier de Grimm. Oh putain, faut que j'enlève un truc à deux, quoi. Bon, le maître de la vitesse, c'est nul. Et le coup puissant, on va l'enlever et on va mettre ça. Elle veut pas la fermer l'autre là. Qu'est-ce que j'ai fait? Me manque un truc à 1. Ah oui, ça. Parce que je pense qu'on. Ah! Bonjour! Et faut que je tape des monstres? Faut que je fasse quoi avec ça? Parle au vieux pour voir. Oui, madame. Salut papy. Nombreux étaient ceux qui venaient ici, espérant que le royaume satisfasse leurs moindres désirs. On l'appelait trop fort Alonnay, soi-disant le plus grand royaume qui ait jamais existé, rempli de trésors et de secrets. Maintenant, ça n'est rien plus qu'un tombeau toxique infesté de monstres et possédé par la démence. Je suppose qu'éventuellement tout disparaît. Ok, d'accord, merci, ciao. Bon, on va voir si on doit casser le cul à des monstres. Je sais pas. On va voir. On va aller voir notre cher ami. Est-ce qu'il faut que je tape des monstres ou. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que j'ai un nouveau pouvoir? Est-ce que. Merde. J'en ai aucune putain d'idée. Pourquoi t'as mangé tes amis, salaud? Pourquoi? Pourquoi tu les as tous mangés? Bon! Cela ne me dit pas ce qu'il faut faire. Ah, alors. C'est quoi ça? Juste l'héritier de Grimm, et c'est tout. Je sais pas ce qu'il faut faire de plus. Ok. Genre, il nous a rien dit de plus en fait. Je sais pas. Je sais pas où je vais. En vrai. Ah! Ok, on va casser le cul aux gens qui portent la flamme. C'est parti. On retournera à celle d'en haut en dernier, vu que j'ai le TP. Bon, on va descendre. Ah, bah c'est bon. J'avais juste à ouvrir ma putain de carte, lol. Allez, on se tire. C'est par où? On descend. On va là. Est-ce que c'est des boss sur lesquels on va tomber ou.
Non! Ah, ma carte, elle a bugué. Super! Ma carte a bugué. Le jeu vient de sortir. Et la carte a bugué. Ok. Ah, putain. Non, mais le jeu vient de sortir et c'est déjà cassé. Les Australiens, réveillez-vous, quoi. Est-ce qu'on passe par le bon endroit? Oui, dès qu'on peut, on descend. Bonjour. J'aurais dû dasher. Pourquoi le jeu est déjà cassé? Coucou, Jake. Bon, ben, bonjour tout le monde. Mais je ne suis pas Jake. Je vous ai bien trompé. Muet. Coucou 6 de la Wera of Sakina. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Ça fait le second de la Wera of Sakina. Des choses que je ne peux comprendre. Des choses qui me dépassent. Ce n'est pas grave. Alors. Pour Yakipon qui serait actuellement, c'est une guilde WoW d'antan qui n'a jamais cheaté. Jamais cheaté. Van. Peut-être que eux ne cheataient pas, mais toi oui. Alors, ah mais il est juste devant nous. Est-ce qu'on va se faire péter la gueule ou pas? Et bonjour à Yakipon. Merci, bonjour, Cizou. Bonsoir plutôt. Est-ce qu'on va se faire péter la gueule? J'ai peur en vrai là. Non? Où sont les flammes? Il y en a une là normalement. Ah ah! Ah! Putain, il m'a fait peur. Ah, c'est vraiment un mob, ok. Ok, bonjour. Oh la musique, mais please! Ouais, salut. Oh, c'est le monstre le plus insupportable du monde, en vrai. Il est très fort. Merde. Eh, tu veux pas venir te battre, salaud? Mais viens ici, que je puisse te casser la gueule. Voilà, voilà. Non, pas là. Oh putain. J'en ai déjà marre. Il meurt. Oh putain. L'ennui du boss. Ah putain, c'est pas trop tôt! Quel daube! Flamme consumée. Putain, je suis nul quand je m'y mets, moi aussi. Alors, on va aller. À Verchemin, ça fait longtemps, putain. Et il y a un métro juste là, pratique. Impec, on change pas une équipe qui gagne. Il va s'en marche bien, Impec, quand on porte toi, c'est ton bébé. Ouais. Ouais. J'aime bien intervenir dans les grosses discussions de chat comme ça. C'est mon jeu préféré. Plus Hollow Knight. Alors, vers chemin. Au lieu de dire des conneries, on se reconcentre. Avec des monstres de qualité, hein, on l'a vu. Avec une musique des plus sympathiques à cause de l'accordéon moisi. Pourquoi ils ont mis... Bon, il est où? Ok. On descend ici. Pourquoi la musique de Verchemin était bien? J'ai bien fait de passer par là. Oh, trop long à lire. Merci, Jake.
Je me déconcentre pas, je continue à jouer, tu m'en veux pas. Hein. La 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 la. Allez, deuxième monstre. Si c'est le même, je pleure. Hein. T'inquiète, Yaki, je te dirai si y a un truc pour toi sur le chat. Merci. Donnez les McChicken, n'oubliez pas. Ah! C'est le même! Oh putain! Oh, ferme-la, quoi. Voilà, très dur. Flamme consumée. J'adore les chats. Ok. Reformulez, s'il vous plaît. Les meilleurs monstres du jeu sont là. Je les trichote en même temps. Bon, tu vas me dire, j'ai le badge le plus cassé de l'univers. Alors, il est où? Oui! Ah, il est là. Ouais! Non, mais viens, s'il te plaît, viens au cas que je vais pas sauter dans le vide. Non, mais viens! Salaud! Putain. Viens! Ah, mais il est venu. Viens ici. Mais putain. Mais mec, qu'est-ce que tu veux que je le batte ici, quoi? Allez, dégage. Oh, j'aurais pas dû sauter. Merde. Allez, le feu. Non! Je voulais le feu, moi. Mais please, qu'est-ce que je fais? Ta gueule. Ok, maintenant que j'ai trois flammes, je fais quoi? Je vais le ramener au monsieur. C'est intéressant comme nouvelle quête. je suis vraiment un gros con. Alors! Oh, l'accordéon nul. Bonjour! Quelle apparition, des plus remarquées. Le design du mob est quand même très joli. Je vous laisse à vos occupations. D'accord, au revoir. Un acte d'ouverture magistrale, l'air bourdonne d'excitation. Cher enfant, vous avez fait un très bon travail. Laissez votre feu brûler de mille feux. Ouf. Oui, c'est magnifique, l'enfant a changé de la jeunesse oisive. Il est devenu un compagnon mortel. Son aide sera sans doute la bienvenue pour traverser ces terres dangereuses. Ne négligez pas notre danse, car elle continue à chasser cette essence dispersée et écarlate. Lorsque l'enfant sera rempli de flammes une fois de plus, vous pouvez retourner sur la scène et à la représentation commencera. Ok, on passe à une deuxième salve. C'est vraiment une quête des plus intéressantes, il faut le noter. On aime les choses comme ça. On aime les allers-retours inutiles. Il y en a une juste à côté. Il y en a une chez la vieille. Ah, celle-là, elle va être sympa à aller chercher. Genre pas du tout. Ah si, quoique, ça c'est prêt. Il y en a que trois. Ok, il y en a que trois. La 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 la
Est-ce que c'est là? Non, c'est en dessous. À donde está la... La torcha, Roja. Je sais même pas si on dit ça comme ça. La torche rouge en espagnol. Ah, elle est là. Ah, il a l'air plus fat, lui. Oh! Hé, mais il m'aide, il envoie des flammes! Wesh! Vas-y! Merde. Ok, bon, en fait, il fait pareil, sauf qu'il est plus gros. Ah non, il fait un nouveau truc, là. Ah, ça revient vers lui, ou ça tourne autour de lui, ou je sais pas. Putain, je fais n'importe quoi ce soir, c'est abusé. Et le pire, c'est que ça les fait rire! Putain. Putain. Arrêtez de rire comme des gogoles! Oh putain! Oh putain, c'est insupportable! Merde. Non mais sans déconner quoi! Ce rire quoi! Merde. Oh super, il est mort! Waouh, j'ai tout fait! Banque! Un somptueux renard a donné 20 euros. Je me demande qui ça peut être. Merci Akuro. Les 20 boules. Les 20 boules. Ça en fait du McChicken. Ça en fait au moins 4. Le McChicken. Ça fait plaisir. Les petits dons comme ça. On aime. On va pouvoir acheter... De quoi survivre. Comme des bonbons. Je rigole. Je rigole. Paf. On aime la banque. On aime. On aime beaucoup. Le repos éternel. C'est parti. Banque. Allez. 11 bouge, on se bouge, on se bouge, on se bouge. Oh non, pourquoi je suis allé là? Mais quel imbécile. Parce que c'est par là, tout simplement. Idiot. La 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 la, on se balade, oui oui oui. On va taper les méchants avec notre petit insecte qui fait des flammes flammeux. Il est où? Attends, il y a un gros guerrier là. Oh non. Vas-y, balance des flammes. Vas-y, le feu. Oh oui, là, le feu. Balance-lui le feu. Tue-le! Vas-y! Oh putain, il lui envoie le feu de l'amour! Ouais! Il est trop fort ce machin. Alors, elle est où notre torche rouge dégueulasse là? Oh putain, sur des plateformes nulles! Allez, suis-moi, on va là-bas. Oh dommage. Viens, on va là où c'est tout plat. Voilà, comme ça au moins on pourra plus te. Merde. Allez. Merde, je suis encore passé dessus. Ah, je suis trop lent. Paf. Mais meurs, please. Ok, easy. Ouais, la flamme, elle est consumée. Mon machin, il est trop fort.
Et après on va au machin du roi. Non! Non! Putain, mais banque quoi! Faut qu'on fasse un système de pour les dons. On peut faire quelque chose pour ceux qui font des dons. Je sais pas ce qu'on peut faire, mais. Genre, je sais pas. Ce serait bien. Ça rajouterait de l'interaction. Bon, dire merci, c'est déjà pas mal. Mais on l'a dit, on va pas le dire 20 fois, parce que ça fait chier. C'est quand même chier de le dire 20 fois. On va dire merci pour chaque ara. Le bordel. Un merci, un ara. Ah, je suis nul. Ouais. Mon truc, il continue à essayer d'envoyer des boules de feu. Je le trouve très sexy. Ok. Excusez-moi pour la pause. Je viens de me rendre compte que j'ai encore mon chat qui a déconné. Sinon, ce n'est pas drôle. Bon alors, il est où? Ah, je tombe comme un caca. Il est au-dessus. Bon. On va relancer ça. Vite fait, bien fait. Putain, il faut que je cherche là-dedans, quoi. Mais quelle honte, mes aïeux. Non, je fais n'importe quoi. J'arrive pas à monter. Non, mais elle est où la flamme? Ah, elle doit être ici. Pardon. Hop. Ah, elle est là. Ah oui, bah alors là, ça va être vraiment la joie pour le toucher là. Il y a pas d'endroit plat. C'est vraiment la joie là. Le meilleur combat du monde, il est là. Ah, je tombe. Ah, bonjour. Y'a pas d'endroit plat. J'aime pas les combats. Putain. Il me gonfle. Là, c'est à peu près plat. Ouais, on va dire ça. Je vais mourir. Je le sens tellement. Ok, tout va bien. Ah, mais j'ai raté du chat, ça m'énerve. Pourquoi mon chat il se casse comme ça? Bon, c'est pas grave. Ok, on a fini, on se TP. Genre après la banque, j'ai plus rien en fait. Bon, c'est pas grave. Ici le chat, oui, ça s'est bien affiché, mais c'est après le banque. Je sais pas, j'étais déco et donc ça ne se rafraîchissait pas très bien. C'est pas grave, j'ai dit merci, c'est le plus important. Alors, et maintenant? Ouh, quel homme! Formidable! Oula! Qu'est-ce qu'il fait? Il fusionne avec lui, il va nous casser le cul ou? Ouh. Oh merde! Danse avec moi. Non. Non, j'ai pas sauvegardé. Non. Oh là là. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Enculé. Ok. La musique est géniale. C'est dit. On peut le toucher ou pas? Non, c'est que éviter. Enculé. La violence du machin. Ok, on va analyser. Mais je les vois pas, les flammes arriver. Enculé. Le monsieur est super énervé, je peux pas me heal. Pff, enculé. Je vais... Non, mon charme est brisé. Oh non. Non. Le charme.
Bon. On va faire un TP au charme. Oh non, c'est où déjà? Il m'a cassé la gueule. Alors, il est plus difficile que le vrai boss de fin du jeu. Bah en fait, c'est juste que là, il m'a surpris, tout simplement. C'est la grosse surprise de la surprise surprisante. Ah, il m'a bien cassé la gueule. Oh la vache. Je suis outré. Enfoiré, ce qu'il m'a mis. Je suis tout estomaqué. Est-ce qu'on peut passer par en bas? Est-ce que le chemin a été réouvert depuis qu'on a fini le jeu ou pas? Non. Mais je veux pas faire le tour, putain. Ah, sans déconner, ça, ils auraient pu le corriger, en vrai. Allez, on fait le tour. Enfoiré. Bah, la musique est ultra méga cool. Et bon, bah, si c'est un boss où il va falloir esquiver la moitié de ses attaques, bah écoute, pourquoi pas. Oh, cool. J'ai fini un truc. Enfoiré, il a l'air tellement dur. C'est quoi, ça? Ah oui, c'était un boss. Attends. Parce qu'on va où, là? Eh ben, pourquoi je peux pas continuer? Putain, mais là aussi, c'est fermé! Non, mais sans déconner, le jeu, là... Dis-moi que je peux monter et que je peux sortir. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a, là? Non, je peux pas. Mais en fait, c'est pas du tout là où je veux aller, donc on va faire ça, quoi. Ah, mais mon charme, il est cassé. C'est le charme qui fait beaucoup de dégâts. Attends, mais c'est pas un charme qui dit que si je fais des dégâts, j'en prends pareil ou pas? Je sais plus. Je sais plus quel est le drawback. Faut que j'aille là, quoi. Mais comment j'y vais au plus vite? À part en passant... à pied, quoi. Il va à pied, tant pis. Oh, mais sans déconner! Mais ce qui m'a collé? Il m'a dit non, tu ne vivras pas. Et le mec, il veut pas qu'on s'amuse, tu sais. Il fait ouais, vas-y, wesh, gros, on va danser. Non, 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 il veut juste me casser la gueule. Je suis pas d'accord avec ce constat, moi. Oh là là. Qu'est-ce qu'il m'a mis, quoi? Pouah. Je suis sur le cul. Le monsieur, gros dégâts. Attends, c'est caverne ou brume? Je sais plus. C'est caverne. Le mec, il voulait juste que j'aille lui chercher des âmes pour qu'il soit plus fort, en fait, tout simplement. Non! On explose ailleurs. Salaud. Je suis étonné de la difficulté du machin. Bah après, tu vas me dire tant mieux, parce que bah, tous les gens, enfin, tous... Ceux qui vont acheter le jeu maintenant, bon bah ils vont souffrir, hein, tout simplement. Et ceux qui ont déjà fini le jeu depuis un moment, bah d'un côté ça leur ajoute de la difficulté, donc pourquoi pas. Je connais le chemin tellement par cœur, tellement je me suis fait casser les burnes, quoi. Ah, quoi? Mais pourquoi? Ah mais oui, j'ai plus de géo, mais évidemment. Évidemment. Vu que, ben voilà. Bon, ben on va faire sans ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Permet à son porteur de manier plus rapidement l'aiguillon. Pourquoi pas? Ça c'était quoi? Augmente grandement la portée de l'aiguillon. Voilà, on va prendre ça en attendant. Bon. Et on va essayer de le tuer. Tu as perdu les 11K? Ben ouais, j'avais pas vu. C'est pas grave. Pff. De toute façon, l'argent, il nous servait juste à avoir ce badge. Si on l'a plus, c'est pas grave, on va essayer de le faire, hein, on va dire, de la façon la plus correcte. Puis en plus, j'ai gagné de la portée. Regarde. Ça se voit quand même que j'ai une plus grande portée. Putain, je one-shot mon âme, moi, maintenant, tout va bien. Bonjour! Et j'ai pas sauvegardé. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Bleh.
Ok. Merde. Merde. Bon, je vais essayer de rester en dessous la prochaine fois. Oh là là, mais ce que je bouffe, c'est abusé. Tout va trop vite. Ok, je suis tombé dessus, c'est pas grave. Je peux me baisser ou pas? Non, on peut pas se baisser dans le jeu. C'est pas Cuphead. Il s'est tapé vraiment trop vite. Oh! Qu'est-ce que... D'accord, ok. Bon, on saura qu'il y a une phase où on peut se heal. Ah, merde. Ça, c'était pas prévu. Ok, bon. Merde. Ah, enfoiré! Oh non! Ça, c'est la... c'est un truc le plus facile. Bon, je commence à comprendre ces patterns. Enfin, du moins les attaques. Ah 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 ah, j'ai pris une boule de feu, c'est drôle. Bon, ça va, j'ai survécu un peu plus longtemps. Oh, on repop là, oh, tu m'énerves, je... Pouf. Non, en vrai, avec un peu de persévérance, ça a l'air de le faire. Et la musique est très bien. Je dirais jamais assez, mais moi, dans un jeu vidéo, tu me mets une bonne musique, je suis déjà content. C'est j'aime avoir des bonnes musiques de boss, des trucs intéressants, quoi. Ok, on s'en va. Enfin, c'est pas parce que la musique est bien que forcément le jeu est bien. Hein. Attention, ne déformez pas tous mes propos. C'est juste que j'apprécie avoir une bonne musique sur des moments intéressants. Allez, c'est reparti. Mais bon, c'est cool en vrai, sans déconner, je le trouve très joli. Oui, le mot joli a été utilisé exprès, mais bon, la personne concernée n'est pas là. Putain, cette phase par contre à la prévoir, c'est le bordel. Ah, je voulais essayer de le parer, voir, mais... Ah, putain! Là aussi. On va essayer de l'esquiver, celle-là. Oh, putain. On va pas la parer. Ok, je suis allé dedans. Vite. Vite. Le salaud. Vous savez pourquoi la musique est bien? Parce que c'est de l'orgue! Et l'orgue, c'est le meilleur truc au monde, putain! Non! J'ai essayé de dasher, j'y suis pas arrivé! Ah! J'ai reculé dedans! Elle est pas là, mais elle entend! Elle est bien la personne concernée, lol! Bon, le boss est cool, la musique est cool, tout est cool, mais bon, je vais me faire péter la gueule pendant 2 ans. Non, c'est juste qu'il y a 2 phases, j'ai du mal, quoi. C'est les phases où il arrive au corps à corps, c'est la cata. C'est ça qui est la vérité, comme dirait Magic System. Allez, on fait attention à ce qu'on fait. Et on peut vraiment pas le toucher, non. Merde, je sais pas où aller. Face. Ah putain, j'essaie de me déplacer, mais
Ah merde, j'ai oublié le double stomp. Ah mais j'ai dashé. Ouais monsieur l'arbitre. Ah, il est vraiment bon. Putain. Ah, putain. J'y arrive pas sur cette phase. Ah, non. J'ai bougé un peu trop vite. Ah. Je pensais que c'était un nouveau truc. Non, il a juste lâché en arrière. Arrête de pouf out. Voilà, merci. Et ils applaudissent. Oh bravo, bravo, c'était du génie. Oh là là, ils s'énervent. Ah le salaud, putain. Il m'a trollé. Oh putain. Ça c'est l'enfer en vrai, cette phase. J'aurais pu le parer. La 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 la. Putain, j'ai encore tapé dedans au moment où il fallait pas. Faut que j'arrête, hein. C'était un badge qui me permettait de pas reculer, parce que reculer sur les ennemis, c'est vraiment pas quelque chose qui m'amuse. Forçant les ennemis touchés à reculer, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça. Ah, c'était quel truc? Non. Non. Ah, la sonde de la ruche, c'est vrai que c'était intéressant. C'était celui-là, non? Non. C'est quel badge déjà qui me permet de pas reculer? Je l'aimais bien, je l'aimais beaucoup trop bien en fait. Le maître de la vitesse, non mais c'est vraiment nul quoi, y a rien. C'était celui-là? Non. C'était celui-là. Ah, voilà. Rock solide, c'était bien rock solide. On va enlever... En vrai, c'est à cause de l'héritier de Grimm qu'on a dans le fion, non? Donc, genre, si je mets le rock solide, et il me faut trouver un truc à 1 nul... Qu'est-ce qu'il y a à 1 nul? Le maître de la vitesse, vas-y, on va voir. J'en sauvegarde. Le boss, il casse les culs. Ah, c'est une blague, faut l'équiper, quoi. Mais je perds des pouvoirs. Wesh. Ah. Putain. Oui, oui. Mais je veux rock solide, moi. Rock solide, ça m'empêchera de me faire casser les dents. Bon, on va enlever la boussole, parce que pour l'instant, on en a pas besoin, vu que c'est un combat. C'est ça, en fait, qu'on aurait dû enlever depuis le début. C'était quoi, déjà? J'ai oublié. Celui-là. Allez, go. J'ai pas sauvegardé. Je fais n'importe quoi. Moitié de stream, le monsieur n'a pas avancé. Le mec était nul à chier. Oui. Bonjour. Quelle classe. On me l'enlèvera pas, ce boss est classe. Ce monstre est classe. Allez, c'est parti, gueule mon cou. Là, t'es moins classe, par contre. De faire ça, tu te rabaisse à... Oh, non. À rien. Salaud. Les pics sont pas droits en fait. Ah putain.
Je l'ai vu popper en haut, hein, mais... J'allais dedans. Ah! Putain. Putain, il m'a encore trollé, quoi. J'ai eu de la chance. En haut, pas en haut, non. Il est plutôt sympa. Salaud, putain, je déteste quand il fait ça, quoi. Je sais qu'il faut le tuer pendant qu'il est dans cette forme, je pense. Hein. En haut, pas en haut, non. Déjà ? Pourquoi tu me fais ça, moi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Je suis allé farmer tes flammes nulles. Oh là là, j'ai failli faire n'importe quoi. Pourquoi tu me fais ça ? Non ! Ah ! Ah ben oui, ben... Ah, oh, mais décidément... Arrête de faire ça! Putain. Je fais n'importe quoi... Oui, oui... Il était nul du premier coup! Non, j'ai menti. Attends, on va se soigner parce qu'on sait jamais. Genre, ça peut être une ruse. Vu que c'est un espèce de magician. Ouais. Quoi? D'accord. Laisse-moi me soigner quand même, ok? Hashtag malaise. Tu me fais peur. On parle? Ok, on parle. Ouh, bravo, écoutez comment la foule vous adore. Oh, c'est vrai, il m'adore. Ils n'ont pas vu un tel spectacle depuis tellement longtemps. Mais oui, diantre. On va lui donner cette voix. Ah, l'enfant. Regardez par ici, notre enfant a tellement grandi, nourri et renforcé par la chaleur de notre danse passionnée. Oh, c'est putain de Berne, quoi. Stéphane merde. Vous allez figurer tous les deux dans de nombreuses tragédies et triompher ensemble, j'en suis certain. Et avec cela, je pense qu'il est temps que... Hein? Pour nous de nous dire au revoir. Après une performance comme celle-là, de quoi d'autre le rituel pourrait-il exiger de nous? Et il s'est barré. Sortez dans l'obscurité, mon ami. Quittez notre scène et laissez-nous performer notre acte final. Ah! Succès, esibizione magistrale. Ouais, on va dire ça. Un badge. Un emplacement de charme. Un emplacement de charme. Oui! Je veux tous les jours des emplacements de charme. Attends, si le succès est déverrouillé, ça veut dire que c'est bon, j'ai fini le jeu ou pas? Est-ce que c'est fini? C'est une bonne question, en vrai. Parce qu'il me manque quand même deux badges qui sont qui doivent être cachés quelque part, je ne sais où. Oh mon dieu, la tête du machin! Ah, ça fait... Non! Il faut en faire trois autres! Ok! On est chaud, putain, on remet la boussole du... Ah, mais le badge en plus, il me fait tellement plaisir. Oh là là. Alors, où on va? Où allons-nous? Nulle part pour l'instant. Ah, si. On va à la ruche. Oh non. Oh non, c'est chiant d'aller à la ruche, en vrai. Donc, en vrai, on va aller à l'enceinte du palais. Et après, on doit aller... Oh non. Dans l'endroit le plus maudit. Ouais, bon, on va aller à l'enceinte du palais. Pardon, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Ça fait du bruit. Bon. Ça veut dire que c'était pas le dernier boss? Ou alors, du moins, peut-être qu'il y aura d'autres gens? Je ne sais pas. Et la madame, au final, elle m'a rien vendu. S'il faut, faudrait que j'y retourne la voir, la madame.
tellement de choses qu'on n'a pas faites. Genre la madame avec l'espèce de masque bizarre sur la jaquette. Elle nous a rien donné pour l'instant. La coquine. Coquine. La coquine. Alors attends, on va essayer de tout faire à pied. Donc on va prendre le métro. On va aller à la ruche. Oh, j'ai pas envie d'aller à la ruche. J'en tellement pas. Ensuite, on va aller monter là. Et après, on va aller dans le pire endroit du monde. Allez, on va faire ça. On fait tout à pied. Je sais pas si c'est la meilleure idée du monde. On va tout faire à pied. Pour se faire casser le cul. C'est la meilleure chanson du monde. Précommandez-la, elle est déjà sur iTunes. Ah, mais... J'avais pas vu ça. Waouh, il envoie des boules de feu, il est vraiment vénère, son machin. Je suis retombé dedans. Putain, c'est pas possible. Je suis comme Obélix, je suis tombé dedans. Le métro, on appuie sur le bouton. Putain, mais la petite bébête, elle est vraiment un ZF. Mais elle a une sale tête. Enfin, le badge a une sale tête maintenant. Ça me fait peur en vrai. La 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 la. Alors, voyons les monstres, parce que les monstres aussi ils vont être forts. C'est de difficulté très graduante. Je n'aime pas. Bon, alors, à la ruche, on va pas essayer. Il y a des mouches, il y a des mouches, il y a des mouches. On va y rentrer par là-bas, hein, à la ruche, parce que bon. Ah, mais cassez-vous les mouches! Je vous déteste. Oui! Non! Oui! Alors, c'est où? Excusez-moi, il y a encore quelqu'un qui regarde. C'était juste pour vérifier si mon chat était cassé ou pas. C'est faux, il y a des gens qui me parlent et tout, je le vois même pas. Bonjour. Ah! Eh mais décidément, je me prends tous les trucs du monde. Je compte les dons, c'est très difficile, c'est vrai? Attends, c'est vrai? Parce que si j'ai pas d'immersion aux gens, ça va... C'est grave. Non. C'est pas gentil! J'aime pas qu'on se moque de moi! Oh là là! Attends, mais elle est où la flamme? Ah, elle est là! Par la flamme de l'enfer! Bon, qu'est-ce qu'il va faire lui? Je rêve où il m'a enlevé 3 cœurs? J'ai peut-être rêvé. Mais il est où? Ah non, non, je rêve pas, il m'enlève bien 2 cœurs. Oh l'enfoiré. Ok, 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 calme-toi, 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 Jean-Yves. Il va me tuer. Ah! Il est super... Il va me tuer. Mais putain! Ah! Non! Non! Il va me tuer! Non! Mais meurs, putain! Non! Il m'énerve de rire comme ça, en plus. Ah! Oh oui! Non! Il est mort? Ok. Putain, j'ai eu peur qu'il fasse, genre, une super attaque de la mort qui tue. Ok, j'ai 1 point de vie, je me sens mal. Je me sens pas bien. PLS. Non! Non! On se casse, on se casse, on se casse. Ouais, fonce dans le mur, please. Arrêtez!
Ah! Elle a bugué? Laissez-moi vivre! S'il vous plaît! Eh, le monstre, il m'a mis en PLS. La vérité, frère. La vérité, j'ai peur de la suite. Parce qu'on va se taper un autre boss comme ça. Oh là là, on va tellement faire ça. Ça va être long, mais je m'en fous. Ah mais non, en fait, je rejoins un banc, c'est bon. Je suis tombé, quoi. J'ai réussi à tomber. Régène. Oui, bah, je sais comment je vais régène. En allant dans le métro. En fait, on va aller dans le métro et on va faire une pause. Désolé. On va dans le métro. Et on fait une pause. On revient très vite, tout ça, pendant 10 minutes. Hein, vous connaissez la leçon. Allez, à tout à l'heure, le zoubi zoubi. Ça y est, je suis démute, pardon. Voilà, voilà. Le mec, il relance, il dira à tout le monde, mais il oublie d'appuyer sur son bouton. C'est pas grave, on reprend tranquillement. Allez, on va chercher les... les flammes de l'enfer. Il fait 2 de dégâts, en fait, le machin. Ok. Ok. Je suis martyrisé par un trash mob. Bon, il est tout droit. Oh non, il est là-dessus, là. Oh, putain. Oh, on va pas s'amuser. On va l'amener à un endroit plat. Voilà, ici c'est un peu plus plat. On aura plus de chances de le tuer. Enculé. Il fait tellement mal. Ah, le feu reste pendant un moment. Et ça le fait rire. Ouf, le dash. Ok, il est mort. Bon, j'ai eu moins de mal parce que bah, j'étais un peu moins surpris, évidemment. Hein. La surprise, c'est tout élément de Rogue, évidemment. Quand on connaît pas, on est surpris, on fait n'importe quoi, c'est tout. C'était pas par là. Allez, on repart, on va dans le meilleur endroit du monde. Hein. Vous l'attendez tous, n'est-ce pas? Mon endroit préféré. Celui avec... les araignées. Rien que de le dire, j'en ai des frissons dans le dos. Je déteste les araignées. Surtout quand elles sont dans mon ocarina. Allez, go. Alors, par où on passe? Ah, mais il y en a 4. Non. Ah, mais non. Il y a une station. Il y a une station, on va pouvoir éviter tout le jeu, quoi. Là, ça va, c'est les... scolopins, là.
C'est pas gentil de se moquer de moi. Hein. C'est où? Oh putain, c'est là-bas. Ce n'est pas très gentil de se moquer de moi. Parce que j'ai peur des araignées. Et que je les trouve ultra sales. Bon alors, par où je monte maintenant? Mais j'ai l'impression que... Attends! Je peux pas monter par là-haut. Je suis obligé de faire le tour. Ne pas paniquer, ne pas paniquer. On ne va pas paniquer. Sans pour l'instant, il n'y a pas des masses. Les deux bruits qu'on avait oubliés, qui ne me manquaient pas. Il y en a déjà sur l'écran. Putain, c'est dégueulasse! Mais qu'est-ce que c'est moche, une putain d'araignée! Avec ses 8 pattes qui tricotent. Si vous avez la référence, je vous dis bravo. Si vous n'avez pas la référence, je vous dis ben, c'est vieux, donc c'est normal. On se dépêche, on se dépêche. Attends, comment je fais le tour là? Par là. On se casse, on se casse. On se casse, on a peur. Donc on se casse. Attends, mais pourquoi il y a 4 flammes? Alors que sur mon badge, j'ai peut-être pas autant de flammes. Si? Peut-être que c'est moi qui me trompe. Bah non, il y en a que 3. Pourquoi il y en a 4 sur l'écran? Je sais pas. C'est par où? Par là. C'est pas par là. C'est par où? C'est par là. Non! On peut pas monter! J'ai fait tout ça pour rien! Oh, faut que je passe par le village des mantes, quoi. Bon, le village des mantes, encore, ça va, mais putain. Je dois faire 15 000 allers-retours. Salut, les trois. Ensuite, par où? Ok. Quand tu as dit bien caché, c'est vraiment bien caché? Ouais. En fait, c'est un mur sur une... Alors... Le mur est sur une paroi à droite, mais il est à gauche de... De Johnny. Si tu vois où est le truc de Johnny, bah c'est à gauche. Je peux te montrer sur mon écran, mais ça sera pas très drôle. Ça vaut le détour, quand même. on passe par où? On monte. Et si t'as vraiment un problème, je te montrerai sur l'écran, mais bon.
je trouve que c'est quand même plus sympa de chercher par soi-même. Après, c'est comme tu veux. Pas de soucis. On est là pour s'entraider de toute façon. Ok, c'est par là. Bon, il est où? Il est plus bas? On peut descendre plus bas sans... Ah, il est là. Putain. Ça pique. Ok. Et deux, trois. Et maintenant, je fais quoi en fait? C'est est-ce que je vais. Ouais, non. Vu que je vais me TP à côté d'un métro, on va aller voir. Du côté de chez Swan. Et après on verra. On va voir si le monsieur est enchanté de nous revoir ou s'il veut qu'on aille chercher la flamme. Merde. Ah, il y a la porte qui est ouverte. Salut. Merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai fait une grosse connerie. Oh, je pense que j'ai fait une énorme connerie. On va se faire péter la gueule. Genre sévère. Mais c'est le bruit d'un cœur. Oh, enfoiré, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ok. Enfoiré. Il est tellement énervé. Ok. Bonjour à toi aussi. On a quand même une flamme là. Ah non, elle n'y est plus. Ah, donc en fait, je me suis bien fait avoir. C'était encore un super bug. Bon ben... Va falloir maîtriser, je pense. Ah, je sens qu'on va y passer du temps. Déjà que le premier, on en a chié. Si lui, en plus, il m'enlève de cœur, ben, on l'a dans le fion. Putain. Oh là là! Non mais c'est bien, déjà qu'il était pas assez dur. Ah bah déjà que le jeu était pas assez difficile comme ça. Bah alors là. Ah, je vais tellement chier. Il est trop rapide. Il est trop rapide et le fait qu'il m'enlève de cœur, c'est vraiment pas la joie. Bip. Oh putain.
Putain de merde. Oh du con. Voilà la 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 la, j'adore ce boss. Est-ce qu'il est faisable? Oh putain. Parce que le monsieur me calme un peu trop vite à mon goût. Est-ce que c'est le dernier? Le boss est compliqué. Ah putain! Putain, c'était les flammes. Et comment je peux l'esquiver ça en vrai? Faut que je trouve les... Ok, il commence toujours par en haut. Oh putain. Putain, mais... J'avais tellement géré le début, ça me gonfle. On va aller voir la vieille, parce que c'est pas normal qu'il y ait un personnage qui sert strictement à rien, quoi. Elle, là, c'est pas normal qu'elle serve à rien. Mais quoi? Vous dissimulez quelque chose de très joli, n'est-ce pas? Vous ne devrez... Déjà, bon, ben... Montrez-le-moi, mettez-le plus vite. C'est y a un charme qui lui plaît ou... Quel charme pourrait lui plaire? Attends, il y en a deux qui puent. Il y a celui-là. Et il y a... celui-là. C'est pas ça. Qu'est-ce que je dois lui montrer? Mettez-le vite, vite. Mais quoi? Si c'est pas lui, et si c'est pas lui, c'est lequel? C'est lui? C'est le seul que j'ai en carapace, mais... Mais dis-moi lequel, j'irai plus vite. Putain. Grosse. Bon, c'est pas lui, c'est lequel. Je remets mon entaille rapide. Non, c'était pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Coup puissant. Je peux pas l'enlever. Porteur de rêve. Celui-là? Je sais pas. C'est quel charme qu'elle pourrait être intéressée? Eh, vous savez quoi? On va pas se faire chier. Dans le jeu, il existe un truc qui s'appelle l'overcharge. Voilà. S'emmerder. Est-ce que ça fait partie de cela? Non. À la question, est-ce que tu vas tous les faire, la réponse est oui. Hein. Je suis...
Je peux pas en mettre un de plus, genre en overcharge, non. Hop. Alors, on va passer à ça, 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 ça. Je sais qu'on lui en a déjà montré, mais moi je préfère être sûr. Si c'est ça ou si c'est un sort qu'il faut faire. Non, toujours pas. Alors. La 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 la. En espérant que ça soit pas celui-là, parce que sinon ça va me gonfler. Bonjour. Ah ! Donner le charme fragile de la cupidité. Oui, si tu veux, je m'en fous. Elle l'a mangé ! Et c'est tout ? Non, 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 ça va pas se passer comme ça. Non, non. Rends-le-moi. Rends-le-moi. Mais si je veux ton cadeau, mais donne-le-moi! Mais connasse! Ah, je pourrais vous montrer quelque chose si vous êtes gentil avec moi, petite chose. Verriez-vous quelque chose de gentil pour moi? J'ai déjà fait. Donnez-moi vos géos. Oui, si tu veux, tiens, oui. Oh, 9000! Oui, allez, donne-moi des trucs. J'espère ne pas me faire en queue. Et c'est une merde. Génial. Putain. Elle transforme les charmes qui peuvent se péter en charmes normaux. Je suis dépité. Je suis dépité parce que je l'aurais fait avec celui qui était cassé, ben je l'aurais eu jusqu'à Vitam Eternam, quoi. Putain! Faut que j'aille ramasser combien de géo. Oh là là, attends, on va aller le réparer. Oh la vache. Ah, elle est pas cool. Comment je fais pour aller là très vite? Je passe par la station de l'arène. Ouais, je sais, non, mais c'est juste pour être sûr si ou si le fait d'avoir payé 9000, elle va me dire bon, mais ok, je te fais une ristourne, lol. Non, parce que je le ferai en off, aller farmer les 9000. Oh putain, mais comment je vais faire pour farmer les 9000 en vrai? Oh la vache. Je dois refaire tous mes trucs. Oh là là. Après, tu vas me dire si j'ai ce charme. Si l'autre, vu qu'il est dans un rêve, je peux le cogner plus fort avec ça, je prends. Bon, c'est un peu long, par contre. D'aller, de retourner chez l'autre. Après, à vrai dire, c'est pas trop mal comme, comme amélioration. Et bon, 9000. Genre, attends, j'étais sympa avec elle, je lui ai filé 9000 géos, quoi. Après, tu vas me dire, vu qu'elle m'a filé l'avarice à fond, j'ai plus qu'à aller sur certaines maps et farmer comme un connard. Hein. Mais bon. Alors, on passe par où? Oh non. On va le faire au talent. J'ai pas mis ma boussole. Qu'il est con. Ouais, c'est bon, je connais le chemin. Force de l'avoir fait. En espérant que ce soit ça, quand même. Je pense qu'on est... Attends. Je suis monté. Chut. Je pense pas être dans la bonne salle. Ouais, comme ça de visu, je suis pas dans la bonne salle.
J'étais pas dans mon salle. Il fallait monter là. Voilà, c'est là. Oui, oui, tiens. On va ramasser les jeux au passage, hein, tant qu'à faire. C'est drôle. Avouez, c'est drôle. Putain, on s'est fait enculer 9000 GO. Mais si j'avais su avant, sans déconner, je lui aurais pas filé celui-là. J'aurais dit, tiens, écoute, madame, je vais aller réparer l'autre le plus utile, et tu vas me le manger, et tu vas me le chier aussi, soit dit en passant. Salut. Comment tu vas? Oui. Allez. On est content. Ensuite. On enlève toute cette merde. On va mettre celui-là parce qu'elle va me le manger. On avait mis longue lame, c'est bien, ça c'est très bien. En fait j'ai pas besoin de l'entaille rapide. Parce que si je prends pas l'entaille rapide, je peux pas mettre celui-là. Et celui-là on en a besoin. Bon, on va enlever ça. Prendre ça. On va mettre un truc à 1 qui est bien. Voilà. Ok. Après, c'est sûr et certain, il y a encore des trucs cachés, mais... Où ils sont? C'est le but du caché, c'est qu'on sait pas. Genre, il y a deux charmes qui nous manquent. Salut. Oui, il y a notre cadeau, tiens. Voilà. C'est pas grave. Si je le perds celui-là, c'est pas trop grave pour l'instant. Voilà. Allez, rends-le-moi maintenant. Jamais de la vie. Comme si j'avais que ça à foutre. Merci. Allez, on va tester l'entaille rapide. Ouais, on va voir. Ah, cette vanne, quoi, 15 000. Mais c'est pris pour qui? Faudra que je cherche sur... Faudra que je cherche sur YouTube. Ou sur des forums. Les endroits où farmer les géos. Et... Je le ferai en off un jour comme ça. Enfin, bref. Bon. La question est... Il reste quand même... Non, non, je vais pas le faire maintenant. Jamais de la vie. La question est... Quand même, parce qu'on a une question. La question est... Il me manque deux charmes. Où ils sont? Et quels sont les autres trucs que je peux aller chercher dans ce jeu? Ah... On va voir si ça fonctionne à l'entaille rapide, mais bon, j'y crois pas, hein, sans déconner. Oui. Oh, je recule. Ah, j'ai pas un charme qu'il me fallait. Aïe. Putain, j'ai sauté, quoi. Ça me fait reculer, j'aime pas... Oh la vache, j'ai eu de la chance. Putain. Qu'est-ce que tu veux que j'esquive ça, quoi? Sans déconner. Et bim! J'ai l'impression que je fais 2 de dégâts, quoi. A noter un détail sur ta save, le jeu principal compte jusqu'à 100%, les DLC gratuits comptent au-delà. Ouais. Oui, je sais, mais avant qu'on lance l'extension, j'étais à 99. Il me manquait 2-3 monstres et je les ai jamais trouvés, donc j'abandonne. Allez.
Ok. On s'en fout. Je le touche pas, tant pis, je m'échappe. Ah putain. Je suis à combien de phases là? 4? Tu veux pas crever, s'il te plaît? Oh merde. Ah merde. Non mais putain. Mais je l'avais maîtrisé tout le combat. Pourquoi à la fin? Juste à la fin quoi, à la fin. À la fin, quoi. À la fin. Ce boss est tellement dur. Ok. Ça prend souvent de me faire chier comme ça ou... Merde. J'ai pas été assez vif. Ok. Excusez-moi monsieur, vous n'étiez pas attendu de ce côté. Ah, dommage. Phase. J'en peux plus de toi, Phase, espèce de gros con. Ah merde, pas assez vif. Ok. Sale pute. Phase, phase, phase. Phase, s'il te plaît. Fais-moi plaisir. Non, tu veux pas. Phase, phase. Oui. Laisse-moi me soigner, s'il te plaît. Putain, j'aime pas quand tu fais ça, tu le sens. Phase ? Non, trop tôt.
Là, on va avoir les boules. Voilà. Ok, j'ai fait. Ce moment où tu es idiot, que tu vois une boule au-dessus de toi et que tu fais oui, prenons-la. Ah, c'est tellement tendu que. C'est pas grave. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Forcément. Je vois pas pourquoi seul moi je ne peux pas y arriver. Tout le monde y arrive. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais comme c'est pas facile, y'a que les entêtés qui veulent y jouer. Oh putain. Casser la voix. Merde, je suis full vie, j'aurais pu le taper. Ah merde. Première phase des boules de feu relou. Eh, sans déconner, mais plus en bas, s'il te plaît. Mais un peu plus en bas, c'est tout ce que je te demande. Tu veux pas phaser? Merci. Tu veux pas mourir? Ça va fonctionner pour le phaser. Allez, on continue à faire attention. On va bientôt avoir des boules. Voilà. Et on fait gaffe. Ok. On continue à faire gaffe. On le fait phaser. On récupère notre point de vie nul. On peut le faire. Faut juste être plus rapide que lui dans l'exécution. Juste regarder ce qu'il fait. Être attentif, merde. Surtout ne pas se laisser dépasser même si on prend des dégâts. Parce que c'est ça qui nous tue en vrai. C'est si on se laisse dépasser. Là, tu vois, je prends mon courage à deux mains. J'essaie de pas me laisser dépasser. C'est d'analyser tout ce qu'il fait. Ok. Troisième paire de boules. Et ça s'est plutôt bien passé. Merde, je suis allé trop tard. C'est pas grave. Continue d'analyser. Et on le martyrise. Oui! Ah, dommage, c'était pas la dernière phase, c'est pas grave, on recommence. On reprend les points de vie, on meurt. Il est long, hein. Ah, il est mort! Oh putain, c'est pas trop tôt, quoi. Putain, du premier coup, je suis trop fort. Zéro mort, quoi, du premier coup. Oh la vache. Espèce de gros con. Rituel. Ils savent même pas écrire rituel. Et c'est tout, c'est fini. Ah oui, ils sont barrés. Non. Ah. Est-ce que c'est mon charme évolué à fond, ça? Je pense que oui.
Symbole d'un rituel achevé, recèle en son cœur une flamme vivante et écarlate. Et il reste la madame. Oh putain. Oh putain. Oh la vache. Je suis tellement sur le cul quoi. Oh, je sais même plus quoi dire, quoi. Et qu'on passe. Mais ils sont où, les deux derniers badges? Oh, putain. Bon, j'ai réussi. Donc, on va s'arrêter là. Parce que je suis lessivé. Attendez! Je vais vérifier un truc. On va voir si on peut lui péter la tronche à lui ou si on est vraiment trop nul. Avec notre bébête bizarre. Je vais voir ce que ça donne. Ah, je suis saoulé. Mais genre tellement! On peut pas se heal en plus sur lui, je crois. Ouais, tire des boules de feu, vas-y. Vas-y. Ok. Vas-y. Comment il se bat, lui, déjà? Ah oui, comme ça. Oh, merde. Ah, c'est vrai qu'il fait 2 points de dégâts. Oh, ce tombeau! Qu'est-ce qui se passe? Ah si! On peut se heal! Ouais, Zotta! L'enfoiré. Alors, on peut se heal sur ce combat, j'avais oublié. Bon, c'est pas grave. Je vais réussir une dernière fois et après on s'en va. Mais je suis dépité, moi je veux savoir où ils sont les deux derniers charmes. J'ai pas envie de regarder sur internet, mais ils doivent être tellement bien cachés au fin fond du trou du cul du monde. J'attendrai après le deuxième. Le patch, en vrai. Et on est d'accord que mon compagnon, en fait, c'est de la merde. On dirait qu'il fait vraiment pas de dégâts, quoi. Si tu le touches. Ok. J'avais oublié qu'il était dur. Ça me pète à la gueule. Bonjour. Ouais. Bonjour. Ok, ciao. Mais les deux derniers charmes, ce sont pas ceux avec les milliers de géos? Non. Non, ce ne sont pas eux. Parce que si tu regardes bien dans ma barre de mes nouveaux géos, la cupidité irréversible, elle s'est logée à la place de la cupidité temporaire. Et donc, il me manque bel et bien deux putains de trucs de merde. Mais c'est pas grave. On aura bien avancé. Hein. Pour ceux qui commencent le jeu que maintenant, je vous conseille de le faire à la fin, ça. Hein, parce que le boss de fin est plus abordable que celui-là.
Donc bon courage, des bisous, à très vite. On vous tient au courant sur les réseaux sociaux, tout ça. N'hésitez pas à nous suivre. Parce que ben, c'est comme ça que l'on vit. Et surtout, c'est comme ça que vous savez ce qu'on fait. Voilà, ça m'a fatigué, je suis éreinté. La grosse bise à tout le monde. Et à lundi déjà pour South Park. Allez, gros bisous tout le monde. Ciao, ciao.